Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. En effet, je suis le pasteur Bienvenu Manzioni. J'aimerais partager la parole de l'Éternel, parce que vous savez, la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous donner la parole de Dieu, de vous prêcher la parole de Dieu, de partager ce moment avec vous. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous voulons que ce moment soit inoubliable dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre esprit, Seigneur. Et que ton esprit règne au-dedans de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ton secret. Afin que nous puissions, Père, vivre, Seigneur, en permanence avec toi, le Dieu véritable. Bénis ces instants, Seigneur. Que ma parole, Seigneur de gloire, soit ta parole, Seigneur. Que ma bouche soit ta bouche, Seigneur, oh Dieu. Inspire les paroles de mes bouches, de mes pensées plutôt. Inspire, Éternel, les paroles de mon cœur. Oh Dieu, selon ta parole et selon ta volonté. Dieu le Père, Éternel, prends le contrôle en ce moment. Père, je recommande ce moment entre tes saintes mains, Père. Pour ceux qui me suivent, Seigneur de gloire, oh Dieu, et que tu puisses ouvrir les yeux, les oreilles, pour qu'ils puissent entendre, ainsi dit l'Éternel. Et c'est là dans les noms de Jésus, j'ai ainsi prié avec action des grâces. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons plonger dans les Écritures. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Luc 11, au premier verset, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons tout faire, nous pouvons évangéliser, nous pouvons parler de Christ, mais si nous ne vivons pas la vie de Dieu dans la prière, tout ce que nous pouvons faire, ça sera vain. Bien-aimés dans le Seigneur, le message d'aujourd'hui, c'est la prière. Comment prier? Comment nous devons vivre la relation permanente avec Dieu. Comment prier? Les disciples étaient là. Lorsque Jésus a fini de prier, il y a un disciple qui a dit, « Seigneur, enseigne-nous comment prier. » Parce que nous savons que cette prière nous donne la communion avec le Seigneur. Parce que nous savons que sans la prière, nous ne pouvons absolument rien. Voilà pourquoi il dira à Jésus, « Jésus, enseigne-nous comment prier. » Cela veut dire, « Seigneur, enseigne-nous comment être dans la présence de Dieu. » Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être dans la présence de Dieu. Je peux prendre un exemple. Tu peux inviter quelqu'un venir dans une fête parce que tu organises une fête. La personne sera là présente. Mais quand tu dis maintenant, venez à la prière, la personne va donner des excuses. La personne n'aura pas le temps pour pouvoir venir à la prière. En d'autres termes, venir à la prière, cela veut dire raconter le Seigneur. Venez à sa présence. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là que nous trouvons le secret. Le secret, c'est qui? C'est Christ lui-même. Le secret, c'est qui? C'est la parole. Le secret, c'est qui? C'est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir une vie de prière en soi. Nous ne devons pas rester juste en regardant ou en parlant de Dieu, mais sans pourtant vivre la vie de Dieu en nous, dans la prière. Si nous voyons le poisson a besoin de l'eau, de vivre dans son environnement. Mais lorsque vous le sortez dans l'eau, dans quelques peu de temps, le poisson n'aura plus la vie. C'est comme ça, bien-aimé. Si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, nous sommes dans notre côté, tout seul.
nous n'aurons pas la vie, nous n'aurons pas la communion avec le Seigneur. Nous n'aurons jamais la connexion. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important de vivre la vie de Dieu dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi la prière? C'est ça la question. La prière, c'est quoi? C'est un dialogue. Or, nous savons que dans le dialogue, il y a deux personnes qui sont en train de parler. Il y a l'autre qui parle, il y a l'autre qui rajoute aussi ses propos. Il y a d'autres aussi qui répondent aussi aux questions posées. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est un dialogue qu'on adresse à Dieu, qu'on parle à Dieu. La prière nous permet aussi de vivre la sainteté parce que c'est Dieu qui est notre bouclier. Il va nous sécuriser, il va sécuriser notre famille. La prière ne change pas la nature de Dieu, mais la prière te change toi, ta nature. Lorsque tu étais, lorsque tu étais un païen, lorsque tu ne connaissais pas Dieu, mais le jour où tu vas connaître le Seigneur, Dieu va te changer ta mentalité, ton comportement, ta façon de faire. C'est grâce à la prière. Dorénavant, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on dit, on va faire... venir les gens pour qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ et Seigneur. En première des choses, la personne en train de faire, ou un chrétien quand il commence la vie chrétienne, c'est d'abord, il fait la prière. Lorsqu'on dit, faisons la prière des confessions, recevons Christ dans notre cœur comme étant Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, tu es en train de prier. En fait, la prière, c'est un don de Dieu que Dieu a donné à tout le monde. Même les athées, même les non-croyants, même les croyants. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que j'ai vu des choses. Nous, les athées qui disent que Dieu n'existait pas, un certain temps, ils vont dire, oh, pour l'amour du ciel. C'est-à-dire, il est en train de prier, sans qu'il sache qu'il est en train de prier. Il dit, oh, pour l'amour de Dieu. Ah, mais la personne ne croit pas en Dieu. Mais pourquoi il va dire, pour l'amour de Dieu? Cela veut dire, c'est un don de Dieu que Dieu a donné à tout le monde, la capacité de s'exprimer, de dire quelque chose à Dieu. La prière, c'est un dialogue. Or, le dialogue engendre la relation. Et la relation engendre de la confiance. Et la confiance produit de l'assurance. Je peux donner un exemple. Quelqu'un qui veut se marier, il trouve une belle femme à côté de lui. La première des choses qu'il va faire, il va s'exprimer. Il va parler à la personne. Et quand il va parler, c'est-à-dire il va dialoguer avec la personne. Et ce dialogue-là, ça va impacter, ça va ramener de la relation. Ils seront en relation. Ils seront en contact avec la personne. Parce que il s'est fait que le dialogue a eu de l'ampleur. Et ça donnait maintenant de la relation. Et cette relation ne reste pas toujours là, fixe. Mais cette relation-là va produire de la confiance à la femme ou à l'homme qui va épouser la femme. Et après, à ce moment-là, lorsqu'ils auront la confiance, il dit que non, je sais que cette personne, même si on dit mal de lui, mais j'ai la confiance que non, tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a vécu avec lui, cette relation vraiment on a tissé, je crois que cette personne-là m'aime. Et par la suite, elle aura la confiance. Elle aura la confiance. Pourquoi? Parce que plutôt l'assurance. L'assurance, pourquoi? Parce qu'il sait que là, maintenant, là, je suis sécurisé que qu'il neige, qu'il pleuve, la personne là, il est toujours avec moi. Il est à moi. Et ils ont tissé quelque chose. Si cela se passe aux gens de ce monde, à combien plus forte raison? À celui-là qu'on appelle Yeshua. À celui-là qu'on appelle Jéhovah Nissi. À celui-là qu'on appelle Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous cherchons Christ, il se laisse trouver parmi nous. Il dit dans sa parole, quelqu'un est-il malade qu'il prie? C'est-à-dire qu'il parle à Dieu.
et Dieu va exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est mon point? Mon point est qu'aujourd'hui, nous devons avoir une vie de prière en soi. Sans la vie de prière, nous ne pouvons absolument communier avec le Seigneur. Sans la vie de prière, nous ne pouvons pas être en connexion avec le Seigneur, dans la profondeur de la parole. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui te donne la révélation de pouvoir comprendre les Écritures au travers de cette dynamique que tu as posée avec lui. C'est-à-dire la connexion, la prière permanente, la prière personnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous prie de bien vouloir vivre la vie de prière en soi. La Bible nous dit ceci dans Jérémie 33, 3. Il dit, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il commence par des choses cachées, des choses cachées, des grandes choses. C'est le secret, la connaissance. La Bible nous dit, le peuple périt faute de la connaissance. Lorsqu'on invoque le Seigneur, lorsqu'on a la connexion avec le Seigneur nous donne sa révélation. Et dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes en train de vivre la présence de Dieu, Dieu donne aussi un chant inspiré. Il y a des chants qui sortent dans la prière. Lorsque tu chantes cela, c'est-à-dire tu n'as pas envie d'arrêter. Tu continues. Pourquoi? Parce que c'est des chants inspirés par Dieu. Mais lorsque tu es en contact avec le Seigneur, mais si tu n'es pas en contact avec le Seigneur, cette inspiration ne viendra pas. La Bible nous dit ceci que quand on a posé la question de savoir qui était Jésus, l'autre dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Et la Bible dit ceci, Jésus-Christ dit, ce n'est pas ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans le ciel. Cela veut dire, d'autres paroles viennent de nos sentiments, de la chair. D'autres paroles viennent du sang, du coutume. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons baser sur la parole. Nous devons nous baser sur la présence de Dieu, qui est la parole. C'est la parole qui nous fait, qui nous donne la capacité d'être des voyants. Lorsque je dis des voyants, c'est-à-dire la révélation. Nous recevons la révélation et nous communiquons par la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière nous sert à ouvrir des portes. C'est une clé. C'est comme, je peux donner aussi un exemple typique, que quelqu'un il a une voiture, une belle voiture, et par contre, dans la voiture, il n'y a pas d'essence. Je pense que cette voiture-là ne peut pas se déplacer. Ne peut pas circuler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'essence. Et nous aussi, étant que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons besoin de l'essence. L'essence de c'est quoi? C'est la présence de Dieu. L'essence c'est quoi? C'est la révélation venant de Dieu. Dieu va me montrer comment marcher, comment positionner mes pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Parce que la prière englobe tout. C'est la prière qui ramène toutes choses. Voilà pourquoi Dieu, qui est Christ, il nous a dit, quand vous priez, vous dites notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, en première des choses, quand nous prions, nous mettons Dieu en première position. Je vais d'abord prier, quand on t'invite, je vais d'abord prier, ou toi-même dans la maison, tu fais une plateforme de la prière personnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir quelqu'un de passer 30 minutes, 1 heure, 3 heures dans la présence de Dieu. Il va dire, ah non, c'est beaucoup. Mais quand au football, quand regarder soit à la télé, quand regarder faire le shopping, et là tu peux faire des heures, ou aller dans une fête, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est utile, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu a besoin que nous puissions cultiver la vie de prière. La vie de prière qui nous change notre comportement, notre langage. Dieu ne change pas parce que nous prions, mais Dieu nous change, nous, parce que nous prions. Alléluia. Dieu nous transforme, nous quittons l'état de la chenille pour aller dans une étape qui est du papillon. C'est-à-dire, nous volons, alléluia. C'est-à-dire, nous vaguons, et c'est-à-dire, nous montons des échelles.
C'est-à-dire, nous allons dans la profondeur. Voilà pourquoi, quand j'ai dit tout à l'heure que le poisson a besoin de l'eau, le poisson a besoin de l'eau, pourquoi? Parce qu'il rentre dans la profondeur. La profondeur. Les poissons vivent dans la profondeur, vivent dans la parole. La parole, l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons vivre la vie de Dieu. Nous devons avoir la vie de Dieu en soi. Et pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas prier vaille que vaille. Nous ne devons pas prier pour impressionner parce que je parle bien le français, parce que je parle bien l'anglais, parce que je sais bien articuler le mot, bien-aimé. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. C'est la prière du cœur qui a sauvé Bartimée. Vous vous souvenez, Bartimée? Il était là, Bartimée. Il dit, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et lorsque Jésus-Christ a entendu, c'était le cri du cœur. Les gens l'empêchaient. Il dit, tais-toi, arrête-toi. Mais lui, il ne regardait pas les gens. Il priait dans son cœur. Il dit, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. C'est le cri du cœur qui a dégagé enfin qu'il reçoive sa guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez faire comme Bartimée? Priez à votre cœur. Il ne faut pas regarder parce que celui-là, il est bien, celui-là, il parle bien français, il a un niveau supérieur des études. Non, bien-aimé, mais c'est Dieu regarde le cœur. Voilà pourquoi il dira que d'autres personnes vont dire, Seigneur, 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 Jésus-Christ dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous faisiez de l'iniquité. Vous commettez de l'iniquité devant moi. Parce que ma présence était bafouée. Nous devons cultiver l'atmosphère, la présence de Dieu en nous. Étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, étant donné que nous avons une famille, nous devons inculquer les enfants à prier, apprendre à prier. Nous devons donner aux enfants cette richesse. Quand nous prions, le Seigneur et la Bible nous dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est juste et fidèle pour nous écouter. La Bible nous dit, ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver qui que ce soit. Ni son oreille n'est pas dure pour entendre. C'est-à-dire, lorsque nous crions, c'est-à-dire, lorsque nous parlons, Dieu écoute. Dieu, il est disponible. Il est disponible aujourd'hui. Il est disponible demain. C'est comme, je peux donner une fréquence de la radio. La radio est en train de rouler, de fonctionner. Je ne suis pas à la maison, mais j'ai laissé ma poste de radio. J'ai laissé ma porte de radio ouverte, en train de donner les informations. Et là, je ne suis pas à la maison. Mais dès que je serai à la maison, j'écouterai les infos. Je vais écouter les infos. Pourquoi? Parce que ça tourne. C'est ça tourne du matin au soir. Dieu parle. Dieu parle tous les jours. Dieu parle, il est disponible. Il dit, invoque-moi. Partout Dieu est. Pourquoi? Parce que son esprit est là. Il a dit dans sa parole, je m'en vais vers le Père. Là, c'est Christ qui a dit. Je m'en vais vers le Père. Je ne vais pas vous laisser orphelin, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. C'est lui qui va vous donner la mentalité, la force de prier, la force d'être dynamique devant les tempêtes, devant les tentations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Sans la prière, nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu. Sans la prière, nous ne devons pas témoigner la grandeur de Dieu. Sans la prière, nous ne pouvons pas aimer notre prochain. La Bible dit ceci dans la prière sacerdotale. Il a dit ceci, que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, tout on donne d'abord à Dieu. Et le reste, et il dit maintenant, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons. Là maintenant, il met que nous soyons unis. C'est-à-dire l'amour de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te donne son amour d'aimer son prochain. C'est pour ça qu'il dit, pardonne-nous. Nous donnons. C'est-à-dire nous devons donner. C'est que j'ai là. C'est que j'ai là. Mais bien tout ça, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à ma famille. Ma famille qui fait la volonté de Dieu. La famille qui, c'est la famille, c'est mon frère. Qui est dans le Seigneur. C'est ça. Que Dieu veut que nous puissions vraiment vivre. C'est ça, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie, retenez ceci, que le poisson a besoin de l'eau. Nous aussi, nous avons besoin de Dieu. Et à savoir aussi que la prière ne change pas la nature de Dieu, mais la prière te change ta nature.
Et tu seras un homme heureux. Et avant, on te voyait un homme colérique, un homme qui n'a pas de sourire. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu es en communion avec le Seigneur, Dieu te donne la joie de vivre. Et voilà pourquoi nous dit la Bible que la joie du Seigneur est ma force. Que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez vraiment connectés dans cette Pactole TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Amen. L'évangéliste Prince Kouka Malosa et Pactole TV vous permettent de débattre sur beaucoup de sujets auxquels vous voudriez apporter des éclaircissements. Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactole TV débattre sur les sujets bibliques et de société, mais surtout sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Un plateau constitué des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne seront pas d'accord sur certains sujets apportera la révélation divine. Ce moment de débat nous apportera des éclaircissements, car il est écrit dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller, heureux s'il observe la loi. » La révélation divine, c'est sur le plateau de Pactole TV. Votre chaîne sur les bouquets Orao Télécom est sur www.pactoletv.com où vous pourriez aussi suivre la chaîne en direct « La révélation divine » avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. L'évangéliste Brice Ndongala vous donne rendez-vous avec les spécialistes des cas impossibles. Ce sont des temps de prière, des moments de partage de la parole de Dieu, des moments encore de témoignage et un temps de déclaration prophétique et de prière pour tous les cas qui sont impossibles. Parce que je crois au miracle, je crois au surnaturel. Je crois en Jésus-Christ qui est capable de faire de grandes choses. Et si vous avez un témoignage, Jésus-Christ a fait un miracle dans votre vie. Vous avez été délivré, guéri, restauré. Dieu a fait quelque chose de grand. Et vous voulez que le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers votre témoignage, n'hésitez pas à contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et je vous recevrai avec grand plaisir afin de recueillir votre témoignage et de pouvoir échanger sur ce que Dieu a fait dans votre vie. Et tout ceci, c'est sur Pactole TV. Les spécialistes des cas impossibles pour vos témoignages et c'est sur Pactole TV. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoletv.com. Pactole TV, votre complice spirituel chrétien. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. À très bientôt. Shalom. Suivez Pactole TV sur Orao Télécom. Pactole TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactole TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactole TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Chez nous, il n'y a pas de prix. Seule votre offrande suffit. Pactole TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et CanalSat. Les tout pour la gloire de notre Dieu. Pactole TV sur Orao Télécom.